Hey, yo les gars, c'est Aria Baba, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi pour ma part, ça va super, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Aria Clan. Et aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter cette best class setup à la Vesper, les gars. Avant de commencer à vous présenter tout ça, je vous fixe un objectif de like. Si on atteint les 300 likes sur cette vidéo, les gars, je passerai plus souvent sur la Aria Clan. Et je suis sûr que vous êtes capable de faire ça pour me faire plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Baba, de mon prénom Bastien. J'ai 15 ans, et pour ma vie active, je suis en apprentissage, je fais un CAP vente. J'ai commencé YouTube il y a un peu plus d'un an, les gars. Faut savoir que j'avais énormément de chaînes YouTube avant, mais que jamais je n'avais fait de la qualité ou même de la quantité. Je suis rentré dans l'Aria Clan il y a de ça un peu plus d'un mois, les gars. Sur ma chaîne, je comptabilise plus de 1100 abonnés. J'ai dépassé les 1000 abonnés ce matin. J'étais même d'ailleurs en stream sur l'Aria Clan. Vous avez une rediffusion du moment où je suis passé aux 1000 abonnés sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera bien évidemment dans la description. On va donc maintenant pouvoir commencer à parler un petit peu du sujet de la vidéo, car je pense que c'est ce qui vous intéresse. Mais avant, je remercie le player Tekken qui nous a réalisé cette magnifique nucléaire à la Vesper. Il était sur Nukton, donc accompagné de sa Vesper. Son spécialiste était le Reaper, muni de la faux. Et pendant que je vous parle, vous voyez apparaître à l'écran la classe de la Vesper. Classe vraiment cheatée, vous pourrez rush dans tous les spawns avec cette classe. Je vous la conseille pas du tout sur les grandes maps, mais sur les petites maps telles que Nukton ou encore Combine, vous pouvez vraiment faire du très très sale. On va tout de suite pouvoir commencer par parler des accessoires qu'il a mis sur cette Vesper. Je dirais que c'est une classe un petit peu what the fuck, mais elle est vraiment très cheatée, je vous la conseille vraiment, les gars. Pour le premier accessoire, il a mis le chargeur rapide pour pouvoir enchaîner plus rapidement ses adversaires. En deuxième accessoire, il a mis la crosse pour pouvoir se déplacer beaucoup plus vite quand il vise. Et le troisième accessoire, les gars, c'est le viseur laser pour pouvoir remporter tous ses duels quand il est au corps à corps. En secondaire, il a mis le RK5 car il lui est resté une place sur la classe. Et c'est vrai que les balles de la Vesper partent très très vite, les gars. Donc si vous pouvez switch sur une deuxième arme, c'est vraiment toujours intéressant. Ensuite, il a mis un C4 pour pouvoir bloquer les spawns au maximum. Pour ce qui est des atouts, il a commencé par mettre le gilet pare-balles pour pouvoir être protégé de tout ce qui est grenades, C4, etc. En deuxième atout, il a mis pillard pour pouvoir avoir le maximum de munitions. Sans pillard, il aurait dû ramasser une arme par terre et c'est vraiment pas facile. Et son dernier atout, c'est masque tactique, les gars. Avec cet atout, vous pourrez ne pas être paralysé ou même flashé par les adversaires. C'est vrai que quand les adversaires trouvent qu'ils se font trop tryhard, ils préfèrent prendre des classes avec des charges électriques ou bien des paralysantes, et il vous les envoie sur vous. Comme je vous le disais, les gars, cette classe est vraiment faite pour aller dans le spawn. N'essayez pas d'aller avec sur des grandes maps et en étant au middle. Il y a très peu de chances pour que vous réussissiez un long shoot avec cette classe, mais dans le spawn, sachez qu'elle couche très très vite. Moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Aria Clan. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma chaîne et sur celle de Tekken qui seront dans la description toutes les deux. N'oubliez pas le petit like si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à plus tout le monde, les gars. C'était Aria Baba. Ciao, ciao.